La Porsche 911, vous la connaissez tous, c'est une voiture qui a bâti son succès sur sa sportivité, mais aussi sa polyvalence. Alors quand AMG tente de le concurrencer avec son nouveau coupé GT de 510 chevaux, on est d'abord tenté de savoir s'il est aussi à l'aise à l'épreuve du quotidien que la 911, sa nouvelle ennemie jurée. Au quotidien, on doit parfois faire des créneaux et la GT sait le faire, même si l'immense capot complique un petit peu l'exercice. Passer un dodan à vitesse normale, l'AMG sait le faire sans faire frotter ses moustaches. Accueillir des bagages, la GT sait le faire aussi, grâce à son coffre de 285 litres contre 125 litres seulement dans une 911. Pour emmener des amis à l'arrière, en revanche, la GT ne sait pas le faire car contrairement à la 911, la Mercedes est une stricte de place. Reste l'épreuve des bouchons où la GT se débrouille plutôt bien avec sa boîte à double embrayage. Alors on termine avec l'épreuve des longs trajets où la GT est assez silencieuse même si on entend bien le bruit des pneus à 130 à l'heure. Par contre elle manque un peu de confort, la suspension est assez dure, les sièges aussi. Donc du coup on va vite quitter l'autoroute pour enfin passer aux choses sérieuses. Avec cet AMG GT, on dispose d'un V8 plus petit que celui de l'ancienne SLS puisqu'il passe de 6,3 litres à 4 litres de cylindrée. Mais il est désormais suralimenté par deux turbos, donc on ne perd pas en sensation, c'est même l'inverse, on gagne en performance. La poussée est bien plus franche dès 2500 tours et elle semble vraiment inépuisable jusqu'à la zone rouge. La boîte à double embrayage est aussi plus réactive, on gagne vraiment en rapidité à la montée comme à la descente des rapports. Quant à la sonorité, alors elle n'est plus aussi caverneuse que l'ancien V8 atmosphérique, mais elle reste très sympathique avec l'échappement actif en position sport. D'ailleurs, je vais me taire un petit peu pour que vous puissiez en profiter. Avec 510 chevaux sur les roues arrière, on pourrait craindre que la AMG GT soit un dragster inconduisible. Et ben, c'est pas du tout le cas. Le train avant se jette dans les virages, le freinage est quasi indestructible. Et ce qui est surtout impressionnant, c'est la motricité. Il est quasiment pas nécessaire de doser l'accélération en sortie d'épingle. Ça, avec l'ancien SLS, c'était pas vraiment le cas. Alors bien sûr, ça veut pas dire qu'on peut plus du tout glisser avec la AMG GT. Si on veut s'amuser un petit peu, il suffit de débrancher l'antidérapage, le passer en mode sport qui tolère un léger angle de dérive. Là, on va le débrancher complètement, voir ce que ça donne. Ah, ça glisse toujours, il n'y a pas de problème. Bon, à l'arrivée, si la AMG n'a pas été aussi polyvalente que la Porsche, notamment en termes de confort ou de nombre de places à bord, elle a plus que rempli son contrat en matière de sportivité, et ça, ça nous promet des beaux duels dans le futur, et avec une 911 à l'échelle 1 cette fois-ci, c'est promis.